population qui vive dans la commune Tomazo mandé la police là vin aider yo parce que peuple la gen tan prêt pour aller dénicher bandi pour y aller kembe bandi nan colette pour remettre yo avec la police mais yo besoin support la police parce que nèg yo gen zam nan men yo mais yo gen carence en munition m pral bon tout détail sou ça et gen commissaire Miskaden nan juridiction par la li même qui fait gol gen yon individu kel malte tout yon kambiz m pral bon tout détail oh ou te konn ça. Jodi a même nan Gedon nan commune Croix des Bouquets. Peuple la tap essaye boucher un trou que mouche collecte fait nan route Gedon. Est-ce qu'on connaît gen nèg Gedon paraît qui tire sous peuple là? Et nan tire a gon citoyen qui recevoir des balles gen de l'autre nèg. Nèg Gedon doit chercher coué chien fou pour yo éliminer la vie suite avec des respectants ça ou te comme ça? Tout ça déjà. En matière d'information, c'est nous même qui numéro 1. Comment nous y est, nous l'espoir que nous tous en forme, nous tous à Kembe, même si bagay yo pas clair pour nous. Mes chers amis, tendez bien. Pep nan commune Tomazo. Pep la di yo pas en affaire avec bandi. Zone nan te safe à cause Chati Magali a bay problème nan Croix des Bouquets. Oh oui, on pa ken bandi mouté nan commune Tomazo. Eh bien, population mandé la police. S'il vle ou met vini. Peuple avec vous et puis s'entendez, nous allons prendre bandi ou dans la colette. Et peuple est prêt pour remettre avec la police, plus qu'il y a une vingtaine de nek qui fait partie des bases 400 Marozo, qu'il serait koyo en lait Tomazo. Peuple a dit lui-même n'est pas bandi parce que, bon constat que vous avez fait, vous avez nek yo, vous manquez balle. Nek yo pas débarqué avec balle, vous comprenez parce que vous pas gagné. C'est des trois charges nek yo gagné et dans ce moment là, bon, vous avez mis la dedans. En tout cas, message à li lancé m'gen audio là, bon me permettre ou tande audio wa et moi même par la suite m'a venir pour me dire reste causé yo. On a tande audio wa. Monsieur tout collègue bonjour. Comment nous est? Passé avec Jésus. Nous le vient bien. Bon lundi monsieur. Monsieur s'il vous plaît, fais message ça passer rapide avec toute l'équipe bon côté nous qui prenons soit un papa qui n'a quoi des bouquets. Et on soit commissaire, tout ça. Et s'il vous plaît, Tomazo là, peuple a couru des bandits 400 Marozo. Quand il y a la même pas de parler, c'est moi qui ai écrit l'autre bois là. Je dis, monsieur, je vais prendre la police, il y a pas n'importe 10-20. Vous comprenez? Je dis, fais moyen, fais ça, la passe pour moi. S'il vous plaît, quand il y a même un ingénieur et Tomazo, parce que peuple a couru des bandits, il a couru là, il a révolté. Et dès que vous avez couru là, vous avez caché l'autre bois. Il y a coup de là et négro déjà pas gain balle pas gain munition on a là donc on bâton difficile dans mais au bois difficile un bout de bâton il pas faire rien avec s'il vous plaît fermez ça la passe kounya pour moi tout côté dans la police là pour scène négro là ensemble avec peuple là Tomazo m'pense ne prend son m'pense que ne prend temps pour être capable tendre audio ça mes chers amis côté citoyen qui c'est un habitant en dans commune Tomazo qu'on s'est parlé après lui même avec population qui vit en dans commune là tenons tête à tête pour yo dénicher bandi pour yo prendre bandi pour contrecarrer bandi 400 Marozo yo parce que moun yo dit commune Tomazo pas même gens avec commune Croix des Bouquets. En tout cas la police m'explique déjà dans une émission précédente qui me fait moi dit nous maintenant qui est gros mouché à trouver est-ce que parle qui vous tout là le cacher en parlant de numéro 1 baza qui c'est dans mon sans jour mais ce qui est important soldat ou pas même côté avec lui soldat a marché faire pression sur monde dans canton Tomazo qui n'ont gain monde qui a fait résistance et gain monde qui dit yo s'est menté sous vie petit yo quand t'a pour t'a quitter zone ça bay bandi yo bandi met tuer yo parce que yo dit nous pas qu'à faire vin à courir pour bandi et bandi à courir pour nous mais si la police voulait la police met vin aider yo bi sortande ya là même on vit nèg la police a capable marrer est-ce que vous comprenez même dit ça déjà peuple à tout côté a chercher bandi oh moi l'explique l'autre bagage même dit ça déjà matin oui information me gagne comme comme ou quoi ou capoter ou gagne assez bail pour mettre information bon bagage. Gen on machine jodi a même attendez bien oui information me gal bon là en dans Jacmel on machine oui. Machine ça, yo di m son grand Vitara blanc. En dans Jacmel dans localité Bassin Caïman. Eh bien machine grand Vitara blanc ça, m pa gen plaque là. Nan moment peuple la wè machine nan, population jounen jodi la nan toute région peuple la vraiment veatif. Yo wè machine nan, tendez bien. Yo wèl et puis gen parce yo konn bandi yo,
gon coup de qui fait yo dit des nèg ça dans machine ça là grand vitara blanc c'est nèg qui chercher côté pour y aller prendre refuge qui fait partie des bases 400 maozo mes amis hey! Ou pas mandé me poser nouvelle année dit 400 pas me besoin de maozo wa. Mon cher peuple a débarqué sous grand vitara blanc. Si la police pas de temps vini, si la police pas de temps paraître, peuple a t'a passé yo à l'infinitif. Parce que peuple a lui-même, lui tellement a souffri avec phénomène insécurité ça, les jeunes ont gagné des green qui s'est employé dans phénomène là, yo pas ba yo chance, yo tout voyé droite devant papa baron. Et bien c'est la police qui est en venue bien rapide dans bassin Caïman en localité en Dan Jacques Mel. Les peuples a fini identifier des nèg ça dans grand vitara blanc ça. C'est bandi que yoyé. Les comme ça nèg était capable sous terre. On la police tout parfois la police qu'on stocke tête population oui, en façon de parler oui. Parce que gade moun nou je ne pas quitter depuis la police vini pas capturer encore. Parce que la police là, il prend une critique. C'est qui t'en fait finish là et puis relé la police. Le moun sa la wos a mise nan route pou rive avant on prend pou vinn jwenn cadavre pou yore le juge pa vinn fè constat. C'est ça le ta supposé yé. Mais en tout cas c'est pas la nouye nous même parce que m pense que gen quelque bagay fò nou konnen tout mes chers gen quelque truc fò nou konnen nan peyi a. Même peuple la même m'ap din ça population haïtienne nan nan moment ça là yo pa dormi yo kapab kabicha men dormi non dans toute zone kounya la de pou ap antre fò gen certificat bonne vie MS. De pou ap antre, fò gen référence. Qui est-ce ou gen nan zone sa? Depuis ki le brisa ay koun yo vini pa jam wow. Hein? Pendant Port-au-Prince tête en bas là, pendant la police ap kouri des bandi, comment fè koun yo n'a vini prendre refuge, n'a vini di oh, vacances nou vini passer. Bon rele la police pou la police pose question. En pile moun nan canton sa ou la passe tire encore, oui. Même din sa déjà. Travail ki m'a fait à moi-même, m'patient. On bon parce que m'konnen travail la privé sou nou. Parce que nous avons trop de temps depuis nous avons fait couvrir ça pour un paquet sanguiné dans le pays. Mais je vous dis aujourd'hui, je sens que nous ne pouvons pas faire réserve pour nous encore. Depuis que nous identifions les gens, c'est un inconnu qui est lié. Ou pas besoin de connaître les bons, les mauvais, c'est la police qui parle comme ça. Ou trop petit pour connaître. Le la police, allez la police pour la police même. Vous posez des questions et nous posez des questions depuis que nous avons monté, sortant de là. En tout cas, café le cacou avec moi. Vous comprenez? Parce que la police a travaillé, bon, tenez bien. Chati Magali, il faut rentrer dans le guédon encore, oui. Parce que gon paquet individu jodi a même qui tire sur population a. Parce que te gon tout mouche collecte fait nan route là pour te prendre la police dans piège machine qui passe tout pour prendre machine dans piège peuple là al boucher toi comprend bien oui gon paquet individu armé qui sont en dedans guédon qui viennent tirer sur population a. Ou te zam di a qui viennent tirer sur population a, et nan tirer gen un citoyen qui recevra deux cartouches. Vous comprenez? Gen lot gen de lot nèg encore nèg ki gen zam nan meyo a veye en dedans localité Guédon pour yo finir avec la parce que yo di ça opère son disrespectant ki non quoi toujours gen des même tout temps des nèg a dispatché a garder comme au côté ral la gen koyo moi je ne gen des trois qui prend pose bois faire yo gen des trois qui prêter qui faire résistance il faut que Chati Magali a mettre cause nan meyo comprenez? Il faut que cha mettre cause nan meyo. Est-ce que là parce que l'autre des nèg yo mes chers amis qui a cherché a on prend yo dim nèg yo là obligé mettre quoi yo et à la mascaille pour bandi yo pas jeune pour bandi yo pas rete la vie des gens collecté méchant n'a besoin de soldat yo soldat au capi méchant toujours. Est-ce que vous comprenez? En tout cas me pense que message a li lancé il faut que la police prenne décision comme ça doit pour comment capable dénicher ti reste qui rete en dedans de monsieur. Bon nous gen force comme ça les la police est en train dedans pour aller craser ca côté collecte on séquestrer moun nan pas de camper et sous population civile là n'a pas laisser mais nous lâche bon tu tellement lâche et pour nous camper goumé avec moun qui gen zam qui capable nous une réponse proportionnelle ça avec pour nous camper goumé population pas gagner pour nous ça pour aller sous population aller hein. En tout cas mes chers amis continuez à surveiller parce que la police là lui-même bon côté parle li pas dormi la police là dit la veiller comme ça doit. Depuis bandi a fond erreur yo prêt pour gantan meté on prend siwo nan akasan yo ki sa gen encore l'autre détail que m'pral ba nou gen commissaire Hans Miskaden nou konn tout ça li même li pa manger rien ki frais tout ça depuis elle pas son côté c'est soit le maré moun ou bien li voye moun droite pou papa baon c'est celle nèg ki zou li même li pa fè kòvi et ben gen on tout là on présumé assassin qu'elle mettait en bas code tout ça li té tué. Yon kambiz, li te ban $45,000 vet sou kambiz la, mais c'est pas zam non li te tué. On ban 11 am quand même am blanche. C'est une manchette qu'il te utilisé pour te racher monsieur pa kan pa ke monsieur kambiz a te gon zam sou li, li prend zam nan après il fin racher la après ça prend $45,000. Même si c'est ta bolosé, li pensait que wala joine ni était vrai.
on a fait qu'on dort midi, et bien, un moment, on parle avec nous là, monsieur, non, mais, commissaire Miskade. Ma besoin, comment, commissaire Miskade, mon vidéo que t'es venu jouer avec Joel Zabna. Tchouk, mon, Nico, mon, mais elle n'a pas tout, l'IPC, tchouk, le gars de WTV, on t'y coule rouge, pareil. Ma besoin, qu'on est comme monsieur a pris une sensation, un moment, on parle avec nous là. Est-ce qu'on comprend? La police, on comprend au niveau des départements NIP, pays d'Haïti, mon cher, aïe, 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 garçon, mon cher, c'est le commissaire Miskade, Jean-Hens Miskade, tout ça, pas non, je veux avec personne. Malgré nous, tout a beaucoup révélé en parlant des présumés assassins, même si c'était tué comme bise là, on prend au niveau des fonds des nègres. C'est là qu'il était tué. On prend 13 août qui sont passés à là, commissaire d'Abcha, je me suis couru chien fou. Est-ce qu'on l'a? Et actuellement, là, tout a nommé commissaire. Et me pensez que mes chers amis, que quelques petits qui parlent toujours, si monsieur gagne clan, li gagne association, qu'elle fait partie de lui, qu'elle tout dénonce, là, moi c'est tout, pas qu'il faut se faire bagaille. Parce que Jean commissaire Miskade campé, depuis tout ça, lui-même, il dit, parlez ou pas qu'à parler. Bon, debout, gardez le temps prêt pour déballer. Sinon, mon cher, on a un petit bagaille, on va nous réserver pour en ce qui a trait avec affection, tendresse, caresse, on va nous cajoler, tout bagaille. Vous comprenez? En tout cas, la police a travaillé, moi-même, dit ça, depuis la police là, dit A, m'a dit B. Ils ont appris depuis la police a fait va, soit en dehors ou qu'ils ont joué sur le gros bouton de plateforme parce qu'on connaît déjà, en matière d'info, c'est nous-mêmes qui numéro 1. Le 15 juillet, au prolongement d'Abini, malgré la situation chaotique payant gagné, ils ont toujours quitté mission en même genre, sauf renforcer avec une quarantaine de policiers, avec un matériel. Donc, je pense que c'est suivi résolution. Et nous sommes contents que les Nations Unies commencent à comprendre l'implication en série des acteurs politiques et d'autres secteurs dans le pays très influents dans la question alimentation, conflit, ou bien alimenter conflit, conflit armé particulièrement, présence gang. Donc, je suis bien content qu'ils mettent ça dans le communiqué et ils paraissent un peu, si vous voulez, très menaçants envers les gens qui eux-mêmes ont financé gang, ont alimenté gang. Soit dans le discours, soit dans le comportement, bien dans le financement. Nous pensons que c'est son bon bagage. Mais là, nous espérons que la communauté internationale a une vision qui est plus objective de la crise haïtienne. Là, et il y a une assistance qui est plus directe, pas simplement la question police, militaire ou bien Nations Unies, mais une assistance qui permet la police renforcer cette ligne, qui permet la justice roumaine contre le phénomène d'impunité. Et qui permettent que la classe politique, là, sous les gens qui sont dans l'État, de retourner dans l'ordre constitutionnel. Ils ont besoin d'un consensus pour gagner des dirigeants légitimes dans le pays. Mais c'est normal pour, après 3 mois, que les gens qui ont voté les Nations Unies en Haïti, bah, concernant, ont un rapport, une sorte d'état délié sous application résolution 15 juillet 2022. Les Nations Unies peut-être faire référence avec. Ambassade puissance étrangère qui n'a pays là et qui au série des mondes, au série des acteurs politiques, c'est tout monde si vous voulez ambassade ça ou bien il y a combien ambassade dit. Donc on passe ça avec ça là pour faire référence. On ne peut pas oublier les Nations Unies, c'est ensemble pays, c'est 193 États-nations et qui dans la communauté internationale là, majorité là-dedans, très présent en Haïti. Les mêmes gens, ils sont présents à travers OEA ou à travers Congo. Donc, je pense que c'est à travers ça. Mais en même temps, tout, je ne crois pas que nous devons laguer toute confiance nous et toute confiance nous sur les Nations Unies. Citoyens, citoyennes haïtiens conséquents, ils ont même des mesures pour prendre des dispositions pour contrecarrer la crise insécuritaire, dans la crise politique et violence avec à des faits politiques qui visent à pérenniser. Moun ki la yo au pouvoir. Antonal Mortimer, lycée co-directeur, organisation défenseur, plus nous pral parler pour koelye la politique, organe national pour mobilisation, yon nouveau entité qui soutient la concertation à Copen, Montana Agré, annoncé yon sit-in pour vendredi 19 d'août, cap pointé la douvan résidence officielle, premier ministre Nana Musso. Mouvement sa gen pour objectif exiger yon lot gouvernance dans tête pays a, ak yon exécutif à des têtes bicéphales, dénoncer phénomène insécurité a, problème grand goût à clavichéa
cap fait population à monter les ciels pas d'eau yo invité dans sens ça toute population hein vinn boté kouli ak yo dans bataille y'a mené pour joindre transition coupé fâché y'a prôné depuis quelque temps yon responsable organe national pour mobilisation hein Serge Jean-Louis t'est parlé à collaboratrice nous Gerline Moristin. Nous avons un pays qui ne fonctionne pas. Pour le gouvernement, le mandat est fini. Accord disloqué totalement dans le meilleur. Il n'y a pas de légitimité politique nécessaire qui a été bénéficié dans l'accord en septembre, puisque l'accord a caduque. Il continue à diriger. Il n'y a pas de sécurité. Le peuple est en misère. Tu vas chercher, il n'y a pas capable encore. Il n'y a pas de vie. Mais malgré tout, Payne, Montana, Gray, Léon, ouais. Jean-Baïla, il dit, monsieur, pour nous, il faut dépassement de soi. Aucun accord pas qu'à résoudre le problème. On évolue, faire un consensus politique. Ariel Henry sollicité, négociation, dialogue, depuis premier jour, deuxième jour. Premier jour, nous connaissons, bah là, il continue le problème. Mais il dit, deuxième jour, on a résolu le problème. Deuxième jour, bah là, bloqué, on dit qu'il s'est débloqué, sous exécutif bicéphale. Mais faut nous, net. Attends, faut honnête tout pour dire ça. En face là, commission en septembre n'était d'accord pour bicéphale là. Yo dit, chano concevoir là, yo parle comme ça, yo pral repenser et puis y a retourner sur table là. Yo bloqué négociation, hein? Yo fait négociation fait chef. Combien? Là nous est ça. Mais il y a un paquet de combattants, un paquet de militants politiques, un paquet de patriotes, un paquet d'organisations, un paquet de patriotes conséquents qui souffrent des problèmes qui est là. Bon concertation faite dans mi-temps tous deux entités yo, mais tout des organisations qui pas ni dans Montana, qui pas dans peine, mais qui d'accord tout eux-mêmes. Chaque pays a fonctionné. Là, il va normal, faut rejoindre nos côtés pour une bataille. Concertation faite, nous faisons première réunion 6-6-7. Dans cette route, nous faisons engagement devant les représentants. Ils disent nous, nous poursuivons la mobilisation. Il faut nous parler à l'autre monde, mais ils disent mobilisation faite, il faut que planifié. Ils disent qu'ils vont dans des autres. Ils disent qu'il faut créer un organe. Et de là, nous prenons le bâton de l'éliminaire. Nous avons eu ça, M. le président de Baroua. Depuis même jour, elle a fini. Réunion 24 sur 24. Nous créons un organe national pour structurer la mobilisation, pour mener la mobilisation, pour nous réussir toute forme de mobilisation à l'échelle nationale. Maintenant, organe, ça a fait nous dire bien. Il n'y a pas de confusion dans la tête pour dire créer l'identité politique. Il n'y a pas de mission pour la négociation. Organe ça, c'est un organe qui prend naissance à partir de consensus politique. Là, il te dit même si nous pouvons consulter l'autre groupe, nous ne pouvons pas le temps battre. Nous avons un calendrier, nous pouvons apprendre les publics, il faut discuter avec l'autre groupe. Cependant, on bagaille, faut nous faire, il faut nous tester la question en fond méga sitting devant la résidence officielle Premier ministre. Premier objectif là, nous dit clair, nous avons des marches de nouvelle gouvernance. Capchita, son exécutif bicéphale. À travers nos consensus politiques, tout document là, pour nous et puis qu'on vient pratiquer. Corruption en Haïti, on a devenu la grande nation, c'est pour la voler. On a dit très clair, on a noté ce sont des rituels parce que ce sont des nationaux qui doivent assumer leurs responsabilités. Pas les pays, des orientations, ce n'est pas la communauté internationale, ce ne sont pas les étrangers qui doivent nous dicter ça pour nous faire, ça pour nous pas faire. Donc en ce sens, nous réfléchissons, nous disons, d'abord, mais pour nous joindre, c'est qui dit bicéphale là, on a fait transition pour nous fâcher. Même si, madame Lalim, quand groupe là, fait nous dire un an, faut être conscient de ça, nous va dire un an, notre transition de notre manière. Nous allons négociation avec Ariel, Ariel bloqué négociation. Hein. Donc, pour nous, il va y avoir un mandat encore. Il était un an. Pour te faire tout ça, l'affaire, je vais rencontrer mon pile, mon à gauche à droite. Il va rien faire. Monsieur fait un an, monsieur dit pas faire. Il va mon nom. 20 juillet, tu dis pas un bilan. Si tu pas un bilan, pas rien faire. Donc, objectif nous clair, on a mobilisé pour l'autre qualité de gouvernance. L'autre qualité de gouvernance, pour nous résoudre le problème de sécurité, pour nous résoudre le problème de gagou, pour nous résoudre le problème de misère, pour nous résoudre le problème de la gouvernance, comme si les institutions, toutes les institutions étatiques sont disloquées totalement. Mobilisation, comment c'est les haïs? On a poursuivi mobilisation, hein, vendredi 19 août, devant résidence officielle, Premier ministre de facto. Voilà, au tap côté déclaration Serge Jean-Louis qui bail rendez-vous devant et résidence officielle Premier ministre là dans cadre yon sitting. L'autre information, alors que doyen tribunal première instance là déclaré li incompétent, avocat yo fait appel ordonnance sa qui rend compte maître Robinson Pierre-Louis dans cadre dossier cargaison zam Port-de-Paix. La cour d'appel tande journée mardi a dossier ça et puis mandé parti yo pour déposer pièce pour rendre arrêt li. Yon décision avocat yo critiqué parce que la cour d'appel té doué décider séance tenante ça qui donc sans délai puisque c'est un habeas corpus. Maître Jacques Le Tanwe dans ça tant qu'il y a déception puis gros juridiction ça à la cour d'appel n'a pas rappelé avocat yo continuer dénoncer forme arrestation maître Robinson Pierre Louis qui fait maintenant prison depuis plusieurs jours. Maître Jacques Le Tanwe dans micro Mark Gerson Philistin. Les gravement menacés parce que même au niveau de la cour d'appel de Port-au-Prince, les juges ne se sont pas donné la peine de respecter la constitution haïtienne de 1987 qui impose de rendre toute décision en habeas corpus séance tenante.
pas gain de l'air, c'est sans de l'air. Mais surtout que la cour d'appel, malgré la constitution de l'honneur et de texte, sur une demande farfelue du ministère public qui m'a demandé de communiquer les pièces, ils ont fait droit à demander, ils ont dit qu'il faut qu'on dépose des pièces en un délai de 24 heures pour le ministère public à l'inquisitoire écrit là. Or, non, question à bias qu'on pose, pas gain de l'air. Donc c'est sur le coup, sur le champ, la cour d'appel a de grandes décisions. Qui vient faire que je ne veux dire là qu'on est obligé pour aller, comme nous pas gommer avec eux, donc ils ont décidé de violer la constitution. Même j'ai un droit à un tribunal pour un assistant d'appel. Donc la constitution a été des fois qu'il y a une décision, c'est un tribunal qui va faire. Donc on a fait un cour d'appel. On espérait que la cour d'appel allait corriger cette dérive du droit à un tribunal pour un assistant d'appel, mais ne l'ayant pas fait. Donc on constate effectivement, comme je l'ai dit tantôt, que l'état des droits en Haïti est gravement menacé. Parce que je pense qu'il y a un gros travail qu'il faut faire dans le pays. Hein. Pour vraiment que l'autorité judiciaire connaisse les lois là pour appliquer la loi, il y a d'autres que la loi. Article 26.1, Constitution haïtienne 29.47 là, qui parlait de recours à la protection de la liberté individuelle. Recours en habeas corpus pour tout le monde. Eh bien, il dit que dès lors qu'un doyen ou un juge saisi d'une arrestation illégale, une détention arbitraire ou illégale, il y a une obligation pour constater le caractère illégal et dès lors qu'elle constate, il y a une obligation pour prendre une décision séance tenante pour leur donner libération, non purement et simplement. Mais c'est tout que bizarrement, ce n'est pas ça qui fait journée le déjà. Donc, le tribunal a demandé pour nous déposer pièces, alors que par aucun côté dans la loi, il dit que dans le recours à bias corpus, il faut déposer pièces dans un délai de 24 heures. C'est sur le champ, c'est sans délai. Cette décision, pour moi, c'est une honte pour la plus grosse juridiction de la Cour d'appel. Pour la plus grosse juridiction de la Cour d'appel d'Haïti, je parle de plus grosse juridiction parce que je suis sûr que la Cour d'appel de Port-au-Prince, il y a plus de membres qui composent. Mais ce n'est pas en termes de qualité de décision, ce n'est pas en termes d'appréciation et d'application de la loi. Et moi, vraiment tombé des nues. Les moins, ouais, on va arriver comme ça. Donc, moi, j'ai attendu que je ne veux dire, nous avons une décision, que la Cour d'appel Port-au-Prince à prendre et puis pour leur donner libération, maître Robinson Pierre-Louis, qui a arrêté illégalement par les autorités de police et peut-être politique de ce pays, qui j'étais en prison depuis plus de 15 jours. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et je dis, hein, si les droits de la défense, en fait, si les garanties judiciaires accordées aux avocats ne sont pas respectées, mais c'est encore pire pour les citoyens ordinaires. Or, l'avocat, quand il intervient pour la défense et du droit, en fait, pour défendre les droits de son client. Et je viens de dire, nous retournons avec mon maître Robinson Pierre-Louis, qui, dans le cadre prise en charge, un dossier qu'il fait point au niveau de la justice, il veut trouver les RAO pour acquérir le ministère de fonction en tant qu'avocat. Et je vous ai dit, nous trouvons que c'est une immixion, c'est une ingérence même, qui est à la frontière des autorités politiques et des autorités judiciaires de ce pays. Parce que la justice aurait dû corriger les dérives des autorités policières et politiques, ils ne l'ont pas fait. Et je viens de dire, je pense qu'il y a vraiment un devoir pour les citoyens et citoyennes de ce pays de s'indigner. De se mettre debout tous et tout ensemble pour dire non à l'arbitraire, pour dire non à l'illégalité, pour forcer les autorités de la justice d'appliquer les termes de la loi, bien d'autres que les termes de la loi. Voilà, maître Jacques Létan n'a pas rappelé, c'est hier à la cour d'appel, tendez dossier, maître Robinson Pierre-Louis, côté patio, déposé pièce en attendant la courant Ren Arelli. Rekontant à l'administration générale droit New AGD ak plusieurs organisations dans le secteur patronal là parmi eux association industrie d'Haïti ADI ak AmCham Haïti discussion yo te chita sur renforcement contrôle surveillance yo, modernisation contrôle droit douanier yo amélioration système gestion risque yo ak bataille contre fraude toute qualité d'après directeur AGD Julesen Edouard entrepreneur René Max Auguste qui salue démarche ça souhaité yon pi bon collaboration entre la droite avec le secteur patronal là pour améliorer les recettes. En côté, Julesen Edouard et René Max Auguste, au Télémico, Caraïbe FM. Nous entrons dans le cadre d'un dialogue constructif, public-privé, douane, secteur privé. Aujourd'hui, c'était tout pour nous rencontrer avec des organisations patronales, ADI, AmCham, etc. Donc, nous avons discuté avec eux sur promotion de meilleurs partenariats entre la GD et le secteur privé par l'amélioration de la communication. Ça, c'est un point qu'on discute avec eux. Nous parlons avec eux sur modernisation du contrôle douanier qui a fait par la poursuite de matérialisation des procédures et des processus douaniers, amélioration du système de gestion des risques, la modernisation du cadre légal et réglementaire. Troisième
point qu'on prend avec eux, c'est le renforcement du contrôle douanier qui doit se faire par le renforcement des dispositifs de contrôle après dédouanement, le renforcement de la surveillance douanière et du système de renseignement douanier pour optimiser la lutte contre la fraude et la contrebande. Donc ça, c'est trois éléments majeurs que rencontre que je dis à te faire, discussion, été tourné autour de trois points. On a fait rencontre là et pendant rencontre là tout. Fierté au niveau de la douane, c'est que ensemble de monde qui était participé dans rencontre ça, ils ont exprimé satisfaction, ils ont qualifié comme une rencontre historique, comme nous dit, on a continué chita avec eux, on a continué parler avec tout le monde pour que nous arrivions au résultat que nous gagnions pour nous bailler à travers faire des routes et en application. Il va l'améliorer échange qui gagne entre douane et entreprise parce que qui ça lié. Entreprise il fait importation mais les marchandises à venir il va laver si la douane pas intervenir. Faut que la douane aller rapide et aller bien mais pour ça fait faut que entreprise coopérer. Coopération entreprise c'est que déclaration que entreprise a bien pour soumettre au niveau de la douane là, les ensemble des conditions faut qu'il répondre avec eux. Ensemble des documents faut qu'il présent. Donc faut que moun yo connaît exactement qui ça y doit faire yo même qui ça en termes de responsabilité. Nous même au niveau de la douane nous gain responsabilité pas nous n'a prendre pour aller vite pour éviter que moun yo perd du temps parce que tant moun n'a perdu dans processus de douanement il vient servir comme une entrave à échange international. Donc faut que nous parler avec yo et ça n'a pas fait pour connaître responsabilité pas yo faut yo même tout parfois yo culpabiliser la douane on important que nous culpabiliser la douane en réalité c'est pas la douane qui est responsable c'est document déclaration qui sont maintenant qui irrécevable qui pas conforme. Donc le ça vient mettre douanier dans situation difficile faut travailler le ça il y a pas obligé retourner de pas le faire appel pour porter documents qui est supposé porter temps passé. Donc c'est échange ça qui permet que chaque monde prend responsabilité par eux. Échange était très cordial, très correct, directeur montré en pile ouverture les reconnaître humblement problème qui est dans douane et les montrer volonté que veut corriger les choses dans les jours à venir, ce qui est une très bonne chose pour le pays. Moi grand attente que réunion ça va permettre un meilleur dialogue. Il est je tourne avec un meilleur dialogue, une meilleure intention de dialogue. Mais on attend que nous avons des relations correctes et fructueuses avec la nouvelle administration ça, qui voulait et penser améliorer cette douane qui est obligatoire au pays. Parce que le problème qui est venu, c'est que l'État n'a pas de ressources pour la population de service. Donc on sait le problème de fond que nous, même en tant qu'association patronale, nous voulons aborder avec la douane et même avec finances nécessaires pour que nous ayons un meilleur pays dans le futur. L'autre nouvelle dans le journal La Matin, collectif 4 décembre, considéré comme un ultimatum, décision Nations Unies qui baille gouvernement haïtien, jour 17 octobre, date ça très symbolique, 17 octobre, la mort des Salines, ah oui, cap vin là pour joindre un accord politique pour sortir pays à la crise. Coordonnateur général Estricti Société Civile, ça, Jean-Robert Argan, rend dirigeant l'État responsable à cause de ne pas répondre à l'attente peuple haïtien. Monsieur Argan, quoi, c'est une honte autorité pour pays n'a permettre communauté internationale à rentrer bien fond dans le dossier pays d'Haïti. Coordonnateur général, collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, t'a répondu à question collaborateur nous, Michel Alexis. C'est comme si on était lancé un ultimatum et à chef du gouvernement. Et en ce sens, nous pensons que si nous lançons ça, c'est parce que le chef du gouvernement noir a bon pour nous un ultimatum. Moi, ça nous pense que nous sommes pays quand même. Nous sommes une nation quand même. Que nous avons été un ultimatum n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens d'analyser le comportement des Nations Unies dans le pays noir depuis des années. Qu'est-ce que ces gens ont fait pour aider notre pays à sortir de côté lié à la... Nous ne pouvons pas faire rien, vraiment. Maintenant, oui, que même toute population n'a pas souffri de GPI à diriger à la, n'a pas souffri de gangstérisme qui établit à la, n'a pas souffri de misère à la, n'a pas souffri du fait que pas aucune institution qui est en place, que pas aucune structure qui est en place. Mais de grâce, nous pensons que, pour nous, c'est pour gens, pour nous suspendre plein insultes dans les étrangers, quand ils disent nous, vous voulez faire à droite, vous voulez faire à gauche, vous voulez ceci, vous voulez cela. Non. Si nous sommes plus de nous, nous connaissons ce pays que nous gagnons, ce pays de nous que nous sommes, c'est nous pour que nous nous parler. Nous pensons que nous allons recevoir et. Pour nous, c'est un affront que nous sommes
a fait style de ultimatum le yo mettez là, mais c'est nous qui cherchons ça d'ailleurs. Est-ce qu'on imagine un seul instant à qui niveau yo rabaissé nous? Est-ce qu'on imagine à quel point que haïtiens vendent sa culture à vil prix pour sauver une patate? Est-ce qu'on imagine que nous sommes capables de dire ça pour haïtiens sauver un visa, sauver ou ceci ou cela? Il n'y a pas de sens. Côté haïtien, mon Dieu de mon Dieu, côté lié, côté que nos hommes qui te comptent vertical, côté lié, tout tourner qu'on y a après un pays jusqu'à ce que Gabon Joe, oh oui, bon ça, ou bien ma protégée ceci, ou bien ma protégée ça, comme si c'était la fête du monde. Non, mais c'est quand même rien malheureux, mais ceci nous permet de voir à quel point nos hommes politiques sont vils, sont bas, sont sans estime et n'ont aucune idée de ce qu'est un pays, de ce qu'est un citoyen d'un pays qui respecte son pays et qui respecte ses concitoyens. Nous pensons que même condamner étrangers à Kabdoussa, même à condamner nous-mêmes qui mettons une position pour dire nous n'importe qui ça ou y a là. Et qui pisait le formaté SS. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. On a un pays, on a des jeunes qui nous suivent, on a des jeunes à qui on devrait offrir un avenir. Mais nous ne sommes pas capables d'offrir un avenir d'individus avec le sang esclave alors coulé de les veines. L'autre information, ancien sénateur Francisco de la Cruz, considéré comme show-off, pression Nations Unies, prend pause et a metté sous Ariel Henry pour ta résoudre problème insécurité en Haïti et pour ta forcer yo joindre consensus pour résoudre crise politique là. Dirigeant parti Renovate Haïtien, rappelé Nations Unies, li gen yon gros responsabilité plutôt dans prolifération gang yo, puisque c'est Nations Unies même qui était encouragé fédération gang yo à travers BINU. Francisco de la Cruz pa bay trop importance à limite 90 jours Nations Unies bay Ariel Henry pour joindre une solution sous crise politique li, puisque d'après lui c'est même international ça qui à travers un tweet te mette Ariel Henry dans tête l'état. Francisco de la Cruz dans micro Winchel Adrien. Nous considérera comme l'annonciateur, le Jean-Baptiste de l'Amérique ou bien le Jean-Baptiste de l'hémisphère américain. Il est considéré comme, je dirais, le porte-parole étendard des Nations Unies ou des États-Unis. Parce que il n'a pas été arrivé, Nations Unies, il parlait de échec de l'international. Moi, qu'on est bon côté, nous avons parlé de réussite de l'international. Parce que tout partout côté, nous connaissons des désastres, des catastrophes, nous avons dit non, gestion de leur politique. Naturellement, c'est que capable d'aboutir à ça que vous voulez. Nations Unies, qui en Haïti déjà, depuis 1994, nous tombons en 2004, nous tout connaissons qui est le résultat que nous avons avec Nations Unies, nous tout connaissons. Après, nous finissons l'école de choléra, nous connaissons après, nous finissons victime des jeunes garçons dans le pays. Et maintenant, nous connaissons que Nations Unies lui-même, il parle de fédération des gangs en Haïti qui seront un bon bagage pour le pays. Nous connaissons la Toubaï qui permet que certaines organisations existent. Et même de la Toubaï, il faut qu'il y ait tout politique, il faut qu'il y ait un problème. Après que la mort toujours de toutes les pensées qui ont gagné, ça crée la guerre. Et essayer même, je dirais même, provoquer la guerre. Étant donné que je n'ai pas qu'à tenir tout ça, et tant qu'il y a là, je vais passer comme bon porteur, comme toujours le messager, comme toujours le bon samaritain qui a venu porter solution à la crise. Qui ça fait qu'il y a là? Étant donné que je fais passer le temps pour aboutir à sa ouvrière, puisqu'il n'est pas qu'à aboutir à sa ouvrière. Maintenant, je vais imposer Ariel via un tweet qui a été fait, et où est il va y 100 jours. Et maintenant, il y a des une organisation sur le terrain comme SDP qui a de 100 jours aussi. Donc, ouais, t'as des liaisons, comment ça fait, 10 ans, hein, bien trouvé d'aplomb. Comme je dis déjà, les Nations Unies n'ont pas 100 jours, moi, même pas 100 jours, à tout le monde va débattre ce qui a passé. Donc, ça veut dire que ça a marché au pas de l'international. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, maintenant, qui s'en oublie? À qui s'en a abouti? Qui s'en attend? Donc, les Nations Unies ont côté. Ou est-ce qu'il a fait pression? Je dis comme ça, c'est 17 jours. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont déjà la solution? Ou bien c'est parce qu'il y a gardé de moi, il y a mis M. Ariel devant, puisque je sentis qu'il y a un changement, une transformation, côté que le monde a commencé, pas qu'à ce que tu vois, qu'on se casse en cap gain, il y a devant, si ça ne le dit pas là. Ou bien est-ce que c'est parce que sous les élections aux États-Unis, la législative du mois de novembre? Donc, c'est ça que les démocrates en action, ils cherchent une solution à la crise, parce que c'est des politiques qu'on battait entre républicains et démocrates.
candidat aux États-Unis. Donc il parle de la France, il faudra même que c'est les républicains qui gagnent une bataille là, probablement. Et c'est ça qui est souterrain, cette bataille là, par contre, qui est exactement cette bataille souterraine, ça, tout ça nous le connaît. Dans la question de la diplomatie internationale, les relations internationales à travers le monde, c'est de la pure hypocrisie. Et on dit déjà, c'est deal politique qu'a fait. L'international n'a pas fait rien sans intérêt par là. Et au niveau des Nations Unies, généralement, c'est maintenant. Pas qu'il y ait des veto, etc. Mais les Nations Unies, les représentants des Nations Unies, généralement, les gens voient d'abord les États-Unis. Le problème, c'est qu'ils connaissent l'affaire. Dans le temps, les gars, ils ont dit, bon, écoutez, je prends note de ce que vous avez là, c'est de l'hypocrisie. Mais ça, c'est comme ça qu'il y a la timonisation de la politique, l'affatillage, des timonisations. Ils ont dit, peut-être chercher la bénédiction, il y a des leaders qui commencent à le faire, ils le font. C'est comme ça chercher la bénédiction de l'OEA, chercher la bénédiction des États-Unis pour les élections à venir. Mais c'est terrible ça, ça fait pitié. Quand on entend parler de certains leaders, vous avez dit, et puis vous mettez la parole, vous dites, nous prenons notre, et on a fait suivi, vous avez fait. On va faire ça, monsieur. Parce qu'on ne va pas continuer à faire payer plus mal. Il y a fait mal déjà, en plus, il était déjà dans un comité d'État, il était déjà dans certaines postes de responsabilité, et il a fait hypocrisie ça, monsieur. Parce que là, vous avez un comportement de petit homme avec petit H. Petit tâche, donc moi c'est lui, donc c'est comme ça, parce que qu'on le veut ou non, quand on le paye d'abord, même les intérêts nous, même les que la BCE est capable d'occuper toujours de grands postes. Mais écoutez, je pense que ça ne pense à pays, ça ne pense pas à pays à ça, il y a des jeunes universitaires, il y a des jeunes policiers qui attendent nous, mais ça n'a pas pensé que le diable nous gagne, de pas même contre ça, et puis on a fait un marchandage politique en votre faveur, ça ne pas faire ça, et c'est tout. Ça ne connaît que les Nations Unies, toutes les Nations Unies, etc., pas n'a fait ni en Italie, ni en Italie, d'ailleurs, où est-ce que ça passe dans certains pays, Nicaragua. Je vois ça qui a passé Nicaragua, Venezuela, qui a passé avec l'organisation de l'émissaire, que j'appelle moi-même le Jean-Baptiste de l'émissaire américain. Donc, moi, je pensais que ce n'est pas sa solution. Hein. Sa solution, c'est essayer de mettre ensemble Chita, suspendre, dénoncer l'autre, suspendre notre tripotage, suspendre notre côté aller, de façon que, et c'est une raison qui fait que nous avons gagné un pile de monde qui est victime, que je sois sous le que je sois sous que je sois sous l'autre, jusqu'à ce que nous venions nous dire. Je pensais que faut prendre conscience que ça ne va pas répéter encore un pays. 6h34 minutes toujours sur Caraïbes FM. Moi, je suis journal la première occasion. Grand boulevard, information à rapposuivre sans camper. Division dans le secteur démocratique et populaire. M. André Michel dit qu'il regrette décision Zamili Nenel Kassi qui décide de rester colline à 11 septembre. Avocat précisé, décision Nenel Kassi n'a pas concerné SDP puisque c'est un petit groupe partisan, ancien sénateur qui tente de prendre décision ça. Même les reconnaître tout ça qui était dit dans quoi, pourquoi appliquer, mais ça n'a pas empêché les dire. SDP toujours été attaché à document. M. André Michel qui t'a intervenu à Yemadia dans le journal. Première occasion, eh bien, pas de vle critiquer camarade li. Au contraire, il t'a prêché dialogue dans Miteo pendant l'annonce en assemblée générale qui a bien pour organiser dans le jour qui a pointé là, l'État avec Jean-Paul Lundi. On ne se parle pas. Et c'est la vérité, on ne se parle pas. Il ne faut pas parler, mais l'esprit nous parle. L'esprit nous parle parce que nous connaissons certains cas si grand pile sentiment pour SDP. Nous connaissons moi-même tout. Je porte SDP dans mon cœur. Maître Michel André confirme ça. Lui-même avec Nenel Kassi, depuis quelques semaines, il n'a pas monté chevalade. Ça que t'as dit ça. Des messieurs qui étaient en coup cocotte avec Figaro, même bonjour, il n'a pas dit. Mais. Maître André fait qu'on est, lui parler en esprit avec ancien sénateur Niplan. Là, même moun fou saisi. Ça fait une division dans SDPA, c'est pas dans bouche mettre là ou attend des paroles ça. Les pito employés yon bel timon qui relè désaccord. Effectivement, j'en noté capable tande li. Bon désaccord dans SDP sous question rete dans accord 11 septembre ou bien pas rete dans accord 11 septembre. Ancien ou soit actuel porte-parole secteur démocratique populaire met costume démocrate li sous li pour le voyer jeter décision Nenel Kassi à quelques cadres plus militants SDP prend pour wete koyo dans accord accord 11 septembre là. Ancien sénateur Carré Barré dit SDP pendant gouvernement Ariel Henry encore. Pour mettre Michel André, Nenel Kassi tabrio en pile. S'il pensait Rika Pierre pral bay démission comme ça dans tête ministère planification. Mon frère, mon ami sénateur Kassi le 3 août 2020 ils font conférence de presse et il dit bon, le soutien à quoi 11 septembre, bon, c'est son droit, c'est sa position. Il dit SDP sautille.
dans l'accord concept. Cette position, ce n'est pas la position de tous les dirigeants du LDP, de tous les membres du LDP. Cette position, sénateur Kassi, et moi, je connais bien des monde dans le LDP qui retrouvé en opposition. Ça, c'est la démocratie, ce n'est pas encore grave. Unité, c'est ça, reste membre et strictissa qui semble dépatcher à chercher si nous croyons avocat. Doit gagner une assemblée générale qui organisait pour ces majorités membres SDP qui décidaient qui direction y a prendre. Nous gagnons le 5 août 2022, majorité coordination départementale et communale SDPO qui pour une position qui lance un appel à l'unité en nous éviter ying-hang, en nous éviter divergence, en nous éviter bataille, je répète, entre nous. Bon côté par nous gagnons une compréhension très claire de situation. C'est ou bien nous capables de joindre un consensus avec l'autre camarade Dieu pour nous faire une assemblée dans la concertation, dans l'unité, pour nous sortir avec une direction unitaire pour le SDP. Et si nous pas joindre, à ce moment-là, bon côté par nous avons déjà commencé les consultations. Nous avons obligé de faire une assemblée générale avec la majorité des coordinations départementales et communales pour nous mettre en direction. Michel André, qui en mode je t'aime moi non plus avec Nenel Kassi, m'a dit ancien frère si à moi li pour yon fait yon tichita palé. En ce qui me concerne, bon rapprochement qui fait, je veux lancer ce matin cet appel à mon ami Théâtre Kassi. On me dit, on nous rencontre le plus vite possible, on nous mette nous ensemble, on nous fait assemblée démocratique et on nous fait en direction unitaire. Proverbe l'a dit, rad sal c'est en famille ça lave. Mais division fait dirigeant SDP lever kako yo bien haut nan mitan la ri, c'est sous place publique causé yo a parler. Michel André comptait sous ministre Rika Pierre comme grandette pour passer main en tête l'autre mambio pour dire yo qui te chire pit là. Si span fait moun grien dans sous dirigeant SDP pour yo pas dit c'est gâteau trop petit. C'est job yo mandé Ariel Henry yo pas joindre. Qui fait escombrite la pété. Comme Ricard Pierre, c'est le doyen du directoire du SDP, m'a demandé camarade Ricard, si tu as parlé avec l'autre ami, dis-le, pas de mal là, pour nous faire une division, pour nous faire une division, faire mon rinou, en nous, en tant nous, pour nous aller dans une assemblée générale. Michel André dit tout le monde, tout le monde qui te attend, libre à le jour. Ou soit critiquer Nenel Kassi, yo pas joine cause pour al poster sur réseau social. Met la pito a plongé ti bouquet flè by ancien sénateur pour loin si ta gen entente. Gen moun ki ta ka di, c'est première fois yo wè met Michel André tout tant kou ji nan galon, tant kou yon zèpòl cassé k'a fè lessive. Même si Père Noël ta kontre kounye a ak met Michel André, souè li pap yon mago l'ajan, mais pito unité nan SDP. Je souhaite l'unité de la structure. Je souhaite que l'on se mette ensemble le plus vite possible pour, à travers une assemblée démocratique,